L'Assemblée nationale a tenu au Collège François de Laval et à l'Hôtel du Parlement son 22e tournoi Jeunes démocrates. C'est un tournoi qui est extrêmement dynamique, qui attire des jeunes de niveau secondaire, niveau collégial, de partout au Québec. Près de 200 jeunes de talent ont mesuré leurs connaissances dans ce jeu questionnaire sur la démocratie, le parlementarisme et l'histoire politique du Québec. Je pense que c'est le résultat le plus responsable pour tous les efforts qu'on a fait depuis l'année dernière. Juste cette fin de semaine à Québec, je dirais qu'on a au moins fait 12 heures d'études. Le Collège Jean-Brébeuf et le Collège Garneau ont remporté la médaille d'or lors des finales disputées dans la salle du Conseil législatif du Parlement. Une victoire jeune démocrate, c'est pas quelque chose de facile, mais tellement gratifiant quand on y arrive. En tout, 16 équipes du collégial et 27 équipes du secondaire ont tenté de mettre la main sur l'une des médailles décernées aux vainqueurs de leur catégorie. Des bourses totalisant 6 400 $ ont été remises aux gagnants. Mais il y en a qui est absolument surprenant, là, Samuel Lemire. Tous ses collègues de niveau collégial étaient bien heureux de le voir passer à l'université l'an prochain pour être sûr de ne pas l'avoir comme adversaire. Cette compétition fait partie de la mission éducative de l'Assemblée nationale en collaboration avec la Fondation Jean-Charles Bonenfant, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la Commission de la Capitale-Nationale du Québec et l'Université Laval.